Bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV. Nous sommes à notre 21e numéro de votre émission Saine Éducation, présentée par votre ami Tchernongom, sous l'invitation de l'éminent professeur de français, M. Bodian. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Ngom. Donc, avant de commencer, nous allons passer nos salutations à l'ensemble du personnel de la RMB TV, à savoir le directeur général Tchernongom et nos doyens qui sont là. Donc, nous vous laissons le temps de nous expliquer ce que vous avez amené aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Ngom. Aujourd'hui, je vous ai apporté les fonctions de la poésie. Une fois n'est pas coutume, mais une fois amorce coutume, permettez-moi d'adresser mes salutations à l'ensemble du personnel de la RMB, en l'occurrence les techniciens, le directeur et tout le staff, mais également à nos chers collègues. Je veux aussi nommer par là M. Dramé, M. Fall, mais également M. Bénard qui est absent aujourd'hui et tous les autres professeurs qui sont des collègues qui nous suivent de loin comme de près, mais également à nos chers élèves qui, avec la question ou la problématique du Covid-19, situation oblige pour rester à la maison. Et nous ferons du mieux de nos capacités pour leur apporter des informations dont ils ont au moins besoin, non pas de façon exhaustive, mais en essayant de donner les grandes lignes. Aujourd'hui, nous vous avons apporté les fonctions de la poésie, mais bien avant cela, j'aimerais lever l'équivoque sur la confusion que les élèves font souvent. Parce que souvent, les élèves ont tendance à confondre genre littéraire et courant littéraire. Ouais. Il y a une grande différence. Pourquoi ? Parce que quand on parle de genre littéraire, la notion de genre est une notion qui n'est pas employée seulement dans le domaine de la littérature. Parce qu'on entend les gens parler du genre humain, ainsi de suite. Donc ça vient du latin genus, qui signifie famille. Donc quand on parle de genre humain, c'est l'ensemble des membres ou des êtres humains appartenant à une même origine. Maintenant, quand on va élargir la notion de genre humain vers le domaine de la littérature, donc ça devient tout simplement, le genre littéraire devient l'ensemble des œuvres à la fois orales et écrites appartenant, présentant des caractéristiques communes. Ouais, je dis orales et écrites parce que le conte, on le sait, le conte était d'abord oral. Ouais, mais il finit par être écrit. Ouais. Donc, on parlera de la poésie, du roman, du théâtre. Ces trois genres-là sont des genres majeurs. Ouais. Il y a également le conte, la fable, la nouvelle, l'essai, l'épopée, le pamphlet, ainsi de suite, et j'en passe. Ouais, parce que au-delà de ces genres majeurs, il y a d'autres genres qui sont des genres argumentatifs, comme le pamphlet, l'essai, etc., comme la lettre. Ouais, quand vous prenez les lettres de Montesquieu, publiées en 1721, c'est des genres, ou bien c'est un genre épistolaire. Ouais. Maintenant, quand on regarde également ici, la poésie, le roman, le théâtre également renferme des sous-genres, comme la tragédie, la comédie, et la tragicomédie, c'est des sous-genres. Ouais. Mais aujourd'hui, la question, ce n'est pas de parler de tous ces genres littéraires. Ouais. Notre but, notre objectif, c'est quoi? C'est de parler sur les fonctions de la poésie. Quand je dis l'élève ne doit pas confondre genre et courant littéraire, quand on regarde la notion de courant, renvoie à des mouvements littéraires. Qui regroupe des écrivains qui traitent ou abordent les mêmes sujets des œuvres. Ouais. Et ces courants littéraires, nous les retrouvons dans différents siècles. Quand on prend la littérature française, nous savons tous que la littérature française a évolué au cours des siècles, tout au long desquels se sont constitués et créés des courants de pensée qui s'identifient en fonction des événements sociopolitiques qui ponctuent le siècle. Le 16e siècle, le courant littéraire que l'on rencontre, c'est l'humanisme. Le 16e siècle est communément appelé le siècle de la Renaissance. Le 17e siècle, on rencontre trois courants littéraires, c'est le baroque, la préciosité, le classicisme. Le 18e siècle, qui est le siècle des Lumières, on rencontre dans ce siècle le rationalisme et le pré-romantisme. Quand on dit rationalisme, on fait référence à la raison. Pourquoi? Parce que tout simplement, Voltaire nous a fait croire que la raison consiste à croire ce que la foi ne croit pas, et la foi consiste à croire ce que la raison ne croit pas.
Pourquoi? Parce que la raison détermine le philosophe à agir, alors que la foi détermine le philosophe à agir. Tantôt, on a entendu récemment M. Dramé et M. Ndiaye, quand ils parlaient ici de la raison, ils nous ont fait comprendre que la raison, c'est l'élément moteur qui détermine le philosophe. D'accord. Je ne vais pas m'entrer sur ce terrain, parce que c'est un terrain qui est très glissant. Je laisse aux spécialistes de la matière régler la question. Mais ce qui est important pour l'élève, c'est de savoir que pour chaque courant littéraire, chaque siècle du moins, il y a des courants littéraires. Le 19e siècle est réputé être le seul des siècles qui regroupe le plus grand nombre de courants littéraires. Pourquoi? Parce que derrière le romantisme, nous allons voir d'autres courants littéraires qui vont se défiler. Nous avons le réalisme, le naturalisme, le Parnasse, le symbolisme. Au-delà de ces courants littéraires, nous allons rencontrer également d'autres courants littéraires au XXe siècle. Et ces courants littéraires sont au nombre de deux. C'est le surréalisme et le mouvement Dada. Ouais. Donc l'élève doit faire en sorte, pour ne pas confondre genre littéraire et courant littéraire. Ouais. Parce que la poésie a toujours existé durant ces siècles. Au XVIe siècle, on a rencontré la poésie, même au Ménage. On a rencontré la poésie du 7e, du 18e, tous les siècles. On rencontre la poésie. D'accord. Enfin, le roman également, il en est de même. Le conte a toujours existé. L'épopée a toujours existé. Enfin, mais ce qu'il faut comprendre, l'humanisme, la notion d'humanisme telle qu'il avait sa signification au XVIe siècle, je pense, c'est seulement au XVIe siècle qu'on peut identifier. Enfin, donc l'élève doit faire en sorte pour éviter de confondre ces notions, parce que c'est fondamental pour un élève de la terminale d'avoir une bonne maîtrise de ces notions. Ça lui permet d'aller très vite. Comme son nom l'indique, la terminale, c'est une classe où on termine. Quelqu'un ne peut pas bien terminer s'il n'a pas bien préparé. Pour terminer bien, il faut avoir au préalable bien préparé ce qu'on doit terminer. D'accord. Donc, c'est un travail de rigueur, un travail de négation, qui nécessite à ce que l'élève soit toujours présent. Maintenant, si nous venons à la question du jour, les fonctions de la poésie. Les écrivains sont des gens qui vivent avec nous, c'est-à-dire ils vivent dans une société bien déterminée. Et chacun d'entre eux a un regard qui lui est propre par rapport à l'information qu'il veut véhiculer. Ouais. Parce que le mot poésie signifie étymologiquement créer. Signifie poéna, qui signifie créer, inventer, fabriquer, ainsi de suite. Donc on sait que le mot devient le matériau avec lequel le poète va essayer de créer un univers qui lui est propre. Et pourquoi il crée un univers qui lui est propre? C'est pour toucher la sensibilité du lecteur afin de l'amener à voir le monde autrement. Ouais. Dans ce cas, il joue un rôle très important. Et les différentes fonctions de la poésie sont connues de tous. C'est la fonction lyrique, la fonction ludique, la fonction esthétique, la fonction prophétique. Prophétique. Ouais. J'ai cité ces quatre fonctions parce que les autres fonctions, nous les rencontrons dans la fonction lyrique. Pourquoi? Parce que le mot lyre ou le mot lyrique vient de ce qu'on appelle la lyre. La lyre est un instrument de musique utilisé par Orphée pour accompagner ses poèmes de sonorité. Par élargissement, par extension, cet instrument sera utilisé dans la poésie et finira par avoir la signification de l'expression des sentiments intimes. On parlera de lyrisme personnel ou de lyrisme impersonnel. Pourquoi lyrisme personnel? Parce que l'écrivain traduit toute la dose d'émotions qu'il ressent. Il fait le bilan de sa vie heureuse comme malheureuse. D'accord. Il se confesse. Il se lamente. Et nous allons voir, à côté de ce lyrisme personnel, nous voyons qu'il y a des éléments qui le caractérisent. C'est l'emploi du pronom personnel « je » à la première personne du singulier. C'est le « moi », l'exaltation du « moi ». Et quand on regarde dans les voix intérieures publiées en 1837 de Victor Hugo, il dit « hélas, à quoi je songe? Je songe à vous, mes jeunes têtes, douce âme à peine au jour épanouie, des rayons de votre hope en côté de lui. » Un peu plus loin, il dit « moi, rêvant à vous seul, je contemple et sonde l'amour que j'ai pour vous dans mon âme profonde. » Ici, on voit qu'Hugo parle de ses enfants. Il parle de sa famille et non de notre famille. Donc, ça renvoie à l'expression des sentiments personnels. Personnel. Parce qu'il extériorise ce qu'il ressent ou ce qu'il éprouve pour ses enfants.
au-delà de cela, nous voyons également que Marceline Valmore le dit. Quand sur tes traits charmants, j'arrête ma pensée, tous mes traits sont empreints de crainte et de bonheur. Ici également, quand on regarde, c'est toujours l'expression des sentiments intimes. L'écrivain essaie de traduire ce qu'il ressent. Et c'est ce que Dubélé a dit. Ceux qui sont amoureux, leur amour chanteront. Moi qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur. L'autre amour lui répondra que j'ai reçu la vie comme une blessure. Et on voit que les écrivains romantiques exposent leurs états d'âme dans leurs œuvres. Quand on prend le cas de Musset, Musset qui sortait avec George Sand, ils finissent par... Musset tombe malade, George Sand finit par abandonner Musset pour sortir avec le docteur à qui il avait fait appel pour soigner Musset, c'était le docteur Pahelo. Elle trahit Musset et sort avec le docteur. Musset, une fois guéri, il compose un poème dans lequel il va tout simplement adresser une diatribe à la gente féminine. Et il dit, honte à toi, qui la première m'a appris la trahison et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Pourquoi? Parce que il a compris qu'il il dit, j'ai perdu ma vie et ma force. J'ai perdu ma gaieté et ma fierté. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand je l'ai connu, j'ai cru que c'était une amie. Mais quand je l'ai comprise, j'en étais déjà dégoûté. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré un peu plus long. Donc, nous comprenons que la souffrance permet à l'écrivain d'exorciser tout le mal qu'il ressent. Et il se confesse pour se soulager. Et Musset également, il le précise, parce que dans les destinées, il dit, le coup dont tu te plains t'a préservé peut-être enfant, car c'est par là que ton cœur s'est ouvert. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Donc la souffrance permet à l'homme de s'agrandir et de s'aguerrir mentalement et intellectuellement. Mais au-delà de cela, on s'est rendu compte qu'il y a des détracteurs romantiques. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne s'y voient pas dans ce que disent les écrivains romantiques. Et un détracteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous ne nous parlez que de vous. Parlez-nous de nous. Hugo va lui répondre. Parce qu'ici, dans le lyrisme personnel, les contemplations sont une œuvre emblématique. On ne peut pas parler de l'expression des sentiments intimes ou du lyrisme sans évoquer les contemplations de Victor Hugo ou les méditations de Lamartine. Sinon, on fait fausse. Hugo va répondre à ce détracteur romantique qui dit que vous ne nous parlez que de vous, parlez-nous de nous. Il lui dit, parce qu'on lui avait posé la question, est-ce les contemplations sont le livre d'un seul homme? Il dit oui, et la vie des autres hommes. Pourquoi? Parce qu'il dit, nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. La destinée est une. Prenez ces miroirs et regardez-vous-y. Quel miroir? C'est-à-dire les contemplations. Et il dit, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Pourquoi? Parce que nous voyons que quand il a perdu sa fille, il se pose la question, ou bien il pose la question à son lecteur ou à ses lecteurs. Vous tous, à qui Dieu a pris votre chère espérance, père, mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Bien sûr que oui. Tout bon père de famille qui perd son enfant comme Hugo a perdu la sienne, sa fille, aurait versé les mêmes larmes, aurait ressenti la même douleur. Parce que quand sa fille Léopoldine se mariait, il l'a dit, Hugo dit à sa fille, aime celui qui t'aime et sois heureuse en lui. Va mon enfant béni d'une famille à l'autre. Ici on te retient, là-bas on te désire. Sors avec une larme, entre avec un sourire. Et la plupart ici, je tiens à préciser que quand nos enfants quittent, quand nos filles quittent la maison paternelle pour se rendre dans la demeure de leur mari, la première famille, c'est la famille initiale, la famille biologique. Une fois chez son mari, tant que la femme n'a pas d'enfant, elle dit souvent à son mari, « Ma guide m'sou n'youkeur ». Mais du moment où elle donne naissance à un enfant, elle se fixe. Quand elle se rend chez son père ou chez sa mère, et dit à sa mère, à l'approche du crépuscule, Yaï Mangani Bisemukur. Donc, la première famille devient la deuxième, et la deuxième famille devient la première famille. D'accord. Ça, c'est seul l'amour qui est capable de le faire. Elle s'efface et substitue sa famille, la famille de son mari à la place de la famille de son père. Pourquoi? Parce que quand elle s'est mariée,
surtout pour les filles musulmanes, tout ce qui a été prononcé, le serment qui a été prononcé à la mosquée, c'est de décharger, de délocaliser, de déléguer le pouvoir du père auprès du mari. Tout le pouvoir qui reposait sur le père ou sur la mère finira par être confié ou octroyé au mari. Donc le mari est le responsable, il est à la fois le mari, à la fois le père, le frère et le père de sa femme. Donc c'est important de prendre ces questions. Nous voyons également toujours dans le côté du livre impersonnel, Igor nous fait comprendre que ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette arme, dans cette eau profonde et triste qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme. Pourquoi ? Parce que quand on dit miroir, le miroir est un objet transparent qui ne reflète pas seulement l'image, mais reflète notre propre vérité. Et le miroir nous permet de se corriger. Donc, en lisant les contemplations, le détracteur finira par comprendre qu'Igo parle de lui. Ouais. Et ici, dans le lyrisme personnel, j'ai essayé de montrer que c'est dans le lyrisme impersonnel que l'on rencontre la fonction didactique et la fonction militante ou révolte, qu'on peut qualifier les deux de fonctions engagées. Et didactique, c'est engagé. Militante, c'est engagé. J'ai écrit le mot révolte ici pour montrer un peu la différence entre didactique et la fonction militante. Parce que dans la fonction didactique, pour comprendre la fonction didactique, l'élève doit comprendre les leçons d'histoire et de géographie. Il y a le syndicalisme réformiste et le syndicalisme révolutionnaire. Pour le syndicalisme réformiste, les grévistes ou les syndicalistes cherchent à trouver un compromis avec le patronat. Ouais. Ils demandent une augmentation de salaire, mais tout en acceptant de discuter. Ouais. Donc, c'est didactique. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à éveiller la conscience des uns et des autres. Le poète devient un éveilleur de conscience. Il doit sensibiliser, faire en sorte pour permettre à son peuple de retrouver le bonheur. Il doit l'orienter, le guider. Par contre, dans la fonction militante, qui également est engagée, là c'est la révolte. C'est le syndicat révolutionnaire. On ne cherche pas à trouver un compromis. On casse tout, on brise tout. On jette des pierres. Et ici, vous allez me permettre d'emprunter une citation de Césaire qui vous dit, qui nous dit, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Ouais. Hugo l'a dit également, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent dans les châtiments. Nous voyons également avec Jean-Paul Sartre, il le dit, c'est ici même de notre vivant que les procès se gagnent ou se perdent. Ouais. Et lors des événements qui ont eu lieu à Harlem entre 1910 et 1920, nous avons vu le Jamaïcain Claude Mackay. Il dit, si nous devons mourir pour nous, point de ville mort comme un troupeau de porc, ignoblement traqué, tandis qu'aboie sur nous la meute affamée des chiens, rayant de son mépris le malheur qui nous tient. Si nous devons mourir, mourons de noble mort, que ne coule pas en vain notre sang précieux. Alors, jusque dans notre mort, nous forcerons au respect ces monstres qu'on défend aujourd'hui. Frère, debout, il est là, l'ennemi commun. À ses coups innombrables, rendons un coup mortel. Quand on regarde ici, rendons un coup mortel, quand même, on ne cherche pas à trouver une solution pacifique. Ouais. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la révolte, c'est la violence. Ouais. C'est pourquoi j'ai essayé de montrer la différence ici, dans le lyrisme impersonnel, qu'on a ce qu'on appelle la fonction didactique, parce que le mot didactique renvoie à enseignement, à éducation, à formation, etc. Et la fonction militante renvoie à un engagement politique où on prône la violence, la révolte, etc. Ouais. Au-delà de ces fonctions, nous avons également la fonction ludique. Ludique, c'est le divertissement, le jeu, ouais, l'amusement, l'épanouissement. Les difficultés de la vie peuvent ronger le lecteur à telle enseigne qu'il aurait besoin tout simplement d'échapper à cette vie mesquine qui ankylose son corps et fatigue son esprit. Il peut s'évader à travers la lecture pour voyager et trouver un ailleurs. Ouais. Et on nous fait comprendre que le rêve est un songe qui fait entrevoir un monde meilleur grâce à la lumière d'une étoile qui nous redonne espoir. Ouais. C'est uniquement pour permettre au lecteur d'oublier la vie. Ouais.
Il y avait même un sujet qu'on a une fois traité avec nos chers élèves. Il y a deux types de littérature. Une littérature qui nous fait voir la vie et une littérature qui nous fait oublier la vie. Celle qui nous fait voir la vie, c'est la fonction didactique. Et celle qui nous fait oublier la vie, c'est la fonction ludique, la fonction divertissement. Ouais. Au-delà de cette fonction, nous avons la fonction esthétique. Ouais. Esthétique, le mot esthétique renvoie à tout ce qui traite de la beauté. Pour se convaincre, on doit prendre les salons esthétiques, là où nos femmes, où nos femmes se font belles. Parce qu'elles montrent des ongles, et même les sourcils, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une peinture que l'on se donne pour se rendre beaucoup plus belle. Pourquoi? Parce que la beauté initiale ne nous suffit pas. Ouais. On veut se donner une autre beauté. Donc, et ici, les écrivains pensent qu'un écrivain, un homme ne doit jamais laisser de la sensibilité dans ses œuvres. Ça, c'est Gautier qui le dit. Ouais. Pourquoi? Parce que pour Gautier ou bien pour les écrivains parnassiens, la poésie ne doit jamais être l'écume du cœur. Cela ne serait ni bien ni sérieux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on attend à ce que l'écrivain vise le beau. La finalité, c'est quoi? C'est d'atteindre la perfection formelle. Parce que pour Gautier, dans Mademoiselle de Maupin, publié en 1835, il dit, tout artiste qui se propose autre chose que le beau n'est pas un artiste. Pourquoi il l'est? Parce que pour lui, tout ce qui est utile, elle est. Ouais. Et nous comprenons que la finalité ici, c'est quoi? C'est d'atteindre la perfection formelle et que la poésie ne doit pas contenir une chaleur humaine. On doit la présence de la chaleur humaine dans des œuvres poétiques. C'est ça la fonction, la vraie fonction même de la poésie. Au-delà de cette fonction esthétique, nous rencontrons ce qu'on appelle également la fonction prophétique. Ouais. Pourquoi prophétique? Parce que l'écrivain est le seul qui a le front éclairé. Avec son bâton de pèlerin, il doit apporter confiance et également réconfort aux fidèles. Ouais. Et Ronsard nous le dit, quand l'homme en est touché, il devient un prophète. Il prédit toutes choses. Il connaît la nature et les secrets des cieux et d'un esprit brillant s'élève entre les dieux. Ouais. Nous voyons également dans Poème antique et moderne de Vigny, avec le poème Moïse, publié en 1826, nous voyons qu'il dit, hélas, je sais aussi tous les secrets des cieux. Et vous m'avez prêté la force de vos yeux. J'élève les regards, j'élève mes regards, votre esprit me visite. La terre alors chancelle et le soleil hésite. Vos anges sont jaloux et m'admirent entre eux. L'orage est dans ma voix, l'éclair est sur ma bouche. Et quand j'ouvre les bras, on tombe à mes genoux. Donc quand on regarde, ici c'est un peu prophétique. Pourquoi? Parce que le poète franchit la ligne de démarcation qui sépare l'humain du divin. Parce qu'il connaît le secret des cieux. Ouais. Et quand on... L'œuvre la plus frappante, c'est l'œuvre d'Agrippa d'Aubigné. 9302 vers. Ouais. C'est ce qu'Agrippa d'Aubigné dit. Il dit, quoi? Il suffit de tourner les yeux vers les cieux. Dieu apparaît. Le nuage entre lui et nous s'est tiré à l'écart. Le ciel neuf retentit du son de ses louanges. Donc quand on regarde, c'est comme si il avait la possibilité de voir Dieu. Et il finirait même par être critiqué par certains protestants. Parce qu'ils disent qu'Agrippa d'Aubigné ne s'est pas comporté en un enfant bien éduqué. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de regarder sur le trou de la serrure le père qui se déshabille. Mais on ne doit pas oublier, on doit faire comprendre à nos chers élèves qu'on est dans ce qu'on appelle le délit poétique. Ouais. Sommairement, ce sont ces fonctions qu'un élève doit comprendre pour la poésie. Et il doit également s'exercer, se poser d'énormes questions en essayant de lire le cours qui lui a été dispensé. Parce que les professeurs sont là uniquement pour éclaircir la lanterne des élèves. C'est vrai, c'est des gens qui ne savent pas tout. Mais puisqu'ils sont devant la scène, devant les élèves, c'est à eux qu'on a donné l'occasion de s'exprimer. Donc, ils doivent apporter le peu de connaissances qu'ils ont pour permettre aux élèves d'avoir les grandes lignes afin de s'aguerrir intellectuellement. Et maintenant, j'aurais aimé peut-être vous proposer après un sujet pour au moins essayer un sujet de dissertation portant sur la poésie qui va nous permettre de voir comment on peut traiter un sujet
portant sur la poésie et quelles sont les différentes parties ou les différents paragraphes qu'on peut aborder. D'accord, professeur, mais quelques éclaircissements pour permettre aux élèves qui vous suivent de mieux comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un poète engagé et qu'est-ce qu'un poète non engagé. Entre engagement et non engagement, souvent ils font des critiques. Ce sujet, c'est l'engagement. On a parlé de non engagement. Alors, expliquez-nous un peu. D'accord. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Quand on dit fonction lyrique, le lyrisme renvoie à l'expression des sentiments. Ces sentiments peuvent être des sentiments personnels comme des sentiments impersonnels. Quand les sentiments sont personnels, c'est le poète qui traduit la dose d'émotion qu'il ressent dans ses œuvres. J'ai tantôt dit, Hugo parle de sa fille, il parle de ses enfants dans les voies intérieures. Quand il s'est rendu à la Normandie en 1836, il finit par composer un poème, comment dirais-je, une œuvre intitulée Les voies intérieures qu'il publie en 1837. Et dans cette œuvre, plus précisément sur le poème Songerie, il dit, hélas, à quoi je songe? Je songe à vous, mes jeunes têtes, mais adjectif possessif, plusieurs objets, plusieurs personnes possédées, un seul possesseur. Ouais. Et il dit, moi rêvant à vous seul, vous, le vous là, c'est qui? Ce sont ses enfants et non nos enfants. Je contemple et sonde l'amour que j'ai pour vous dans mon âme profonde. Donc il s'approprie. Il ne parle pas de nos enfants. On voit que la présence du je permet de faire de l'écrivain poétique ou romantique un égoïste. Parce qu'il ne fait qu'étaler ses états d'âme, il ne fait qu'exorciser ce qu'il ressent. Il fait l'exaltation du moi. Dans ce cas, l'élève ne doit pas confondre cette fonction lyrique qui renvoie à l'expression des sentiments intimes ou personnels à un lyrisme impersonnel. Parce que dans le mot impersonnel, on a le préfixe « un » qui exprime le contraire de personnel. Donc ici, l'écrivain parle de lui, il parle de sa famille, de ses enfants, de son amour heureux comme malheureux. Ici, il essaie de prendre en compte la question de ses semblables. C'est semblable. C'est ce que Musset a dit. Musset a dit, si j'étais seul malade, je n'en dirais rien. Mais comme il y en a beaucoup d'autres comme moi qui souffrent du même mal, j'écris pour cela. Peut-être quelqu'un a été trahi par une femme, comme Musset a été trahi par George Sand. Donc, en lisant les poèmes de Musset, l'homme qui a été trahi par une femme finira par se retrouver. Il trouvera une consolation dans le texte de Musset. Le père qui a perdu un de ses enfants, il trouvera également consolation dans l'œuvre de Victor Hugo, les Contemplations. Et je tiens à préciser que les Contemplations sont une œuvre répartie en deux pays. Autrefois, qui renvoie à l'adverbe de temps, le passé, et aujourd'hui, qui renvoie à un présent. Dans Autrefois, on a trois livres. On a l'horreur. L'horreur, c'est tôt le matin, on sait que c'est une personne, mais on ne peut pas l'identifier. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la lumière que les contemplations vont apporter dans le courant romantique. On a également l'âme en fleur. C'est dans ce livre que Hugo va mettre des poèmes qui parlent de son enfance, de sa relation amoureuse avec Juliette Drouet, ainsi de suite, avec Adèle, etc., sa vie de famille. Mais également, on a les luttes et les rêves. Quand tu dis lutte, c'est les combats que Hugo a menés sur le plan littéraire, sur le plan politique. Au-delà de ce premier recueil, on a le second recueil, où on a également trois livres. On a Pocaméae, Peau de choses pour ma fille, on a En marche, et enfin Au bord de l'infini. Tous les poèmes que Hugo a adressés à sa fille Léopoldine, c'est dans Pocaméae que nous les retrouvons. Domédée Lope, c'est dans ce livre que nous le retrouvons. C'est un livre qui est composé de 17 poèmes. En marche est composé de 26 poèmes. Au bord de l'infini est composé de 26 poèmes. Au total, c'est 69. Quand on prend le premier recueil, aujourd'hui, le premier livre est composé de 28 poèmes. Le second livre, qui est L'âme en fleurs, est composé de 29 poèmes. Et enfin, le dernier livre du premier recueil, c'est-à-dire Les luttes et les rêves, est un livre qui est poème. Au total, ça fait 87. Maintenant, entre les deux recueils, il y a le tombeau. Le poème qu'on appelle le tombeau. Le tombeau additionné aux 69 poèmes du second recueil, ça fait 70. 70 plus 87, nous sommes à 157 poèmes. Les Contemplations sont une œuvre composée au total de 157 poèmes. 157 poèmes. Pour revenir ici, pour la fonction, le lyrisme impersonnel, ça renvoie à la fonction didactique. L'élève ne doit pas confondre. Parce que
il doit s'imprégner et connaître la signification de didactique. Didactique. Le dictionnaire est là. Les élèves ont dans leur téléphone des dictionnaires. Oui. Et voir en dehors de l'explication qui lui a été donnée par le professeur. Oui. Je tiens à préciser que les professeurs apportent 30%. Mm-hmm. C'est à l'élève d'aller chercher les 70%. D'accord. Il doit poser des questions, il doit s'informer, il doit faire des recherches. Mm-hmm. C'est cet effort qu'on attend de lui. Mm-hmm. Parce qu'il termine. Mm-hmm. Il doit aller à l'université, mm-hmm. là où on rencontre la crème oui. supérieure. Mm-hmm. Mentalement, on pense que l'élève est apte à affronter les études supérieures. Et les études supérieures, mm-hmm. ça ne se passe pas comme le secondaire, où vous venez, on vous dicte tout. Oui. Ouais. Des fois, il y a certains professeurs qui n'ont même pas le temps de vous dicter. Mm-hmm. On fait un cours magistral, oui. on parle. Mm-hmm. Maintenant, ça dépend de celui qui note. Oui. Si ce que dit le professeur l'intéresse, il note. Si cela ne l'intéresse pas, il ne note pas. Mm-hmm. C'est pourquoi, à l'université, les cours la présence des cours n'est pas obligatoire. Oui. On n'impose pas aux étudiants de suivre le cours. Mm-hmm. Ce qu'on attend de l'étudiant, c'est quoi? C'est l'examen. Mm-hmm. Il doit se munir d'une carte d'étudiant, oui. faire en sorte pour s'inscrire régulièrement afin tout simplement de se préparer à l'examen. Le jour de l'examen, il a assisté au cours non ou bien il n'a pas assisté. Mm-hmm. Ça ne regarde pas le professeur. Oui. Oui. On ne l'impose pas mm-hmm. pour venir assister à un cours. Mais il doit faire l'effort mm-hmm. pour traiter le sujet convenablement. Mm-hmm. Parce que sinon, il ne passera pas. Il finira par gagner une mauvaise note. D'accord. Et les notes sont de l'or à l'université, comme également dans les lycées. Dans les lycées. Au-delà de ces fonctions, mm-hmm. on a la fonction ludique. Ludique. Oui. Maintenant, l'élève, quand on parle de la fonction engagée, mm-hmm. c'est tout ce qui renvoie à didactique et tout ce qui renvoie à révolte. À révolte. Ouais. Mm-hmm. Et ludique, divertissement, esthétique, ça renvoie à la beauté. Ça renvoie au-delà mm-hmm. de cette vie. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que le poète est considéré comme un prophète. Mm-hmm. Les prophètes sont des élus de Dieu. Ouais. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis au départ pour apporter une information. Mm-hmm. Quand je prends Moïse a reçu les 10 commandements mm-hmm. où il est inscrit. Mm-hmm. Tu gagneras ton pain à la cire de ton front. Mm-hmm. Tu enfanteras dans la douleur. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Moïse, quand on regarde, sa présence oui. est différente tout simplement de la présence de nous humains. Et tous les prophètes révélés peuvent être rangés dans cette catégorie. Maintenant, c'est pas des degrés. Oui. Maintenant, au-delà de ces fonctions que nous venons de mentionner, oui. nous avons préparé un sujet, mm-hmm. peut-être que nous allons soumettre à l'analyse mm-hmm. de nos chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, mm-hmm. également à ceux qui nous suivent, oui. pour au moins essayer d'illustrer mm-hmm. ce qui a été dit sur les fonctions de la poésie. Donc, chers apprenants, vous qui nous suivez, vous regardez bien l'explication de M. Boyan sur ce sujet qu'on va essayer de vous proposer pour mieux comprendre l'explication qu'il a été donnée. Donc, à cela, nous vous demandons tout juste de nous prêter vos yeux, mais aussi vos oreilles. Parce que si vous regardez et vous n'entendez pas, vous n'aurez pas la chance de comprendre l'explication. Je crois bien qu'il est là devant vous, il est devant l'écran. Monsieur, allez-y. Merci beaucoup. J'ai pris un sujet parlant sur la poésie, un sujet de Alfred de Vigny. Il nous dit, pour être poète, c'est une citation, pour être poète, oui. suffit-il de se laisser emporter par son imagination et de fuir, comme l'écrit Alfred de Vigny, vers des mondes inconnus. Mm-hmm. Ouais. Après avoir répondu à une telle interrogation, vous montrerez les autres fonctions de la poésie. Je tiens à préciser que quand on a fait la méthodologie de la dissertation pour la classe de la troisième, mm-hmm. nous avons essayé de montrer que le sujet oui. est composé d'un libellé mm-hmm. et d'une consigne. D'accord. Ouais. Mm-hmm. L'élève n'a pas le droit de négliger mm-hmm. tous les éléments du sujet. D'accord. Il n'a pas le droit. Mm-hmm. Parce que quand on écrit le sujet, la plupart on met 2 points. Mm-hmm. Il n'a pas le droit de négliger ces 2 points. Ah oui. Mis là-bas pour embellir la copie. Mm-hmm. Ouais. Oui. Les guillemets, on les a pas mis pour embellir également la copie. Mm-hmm. On rapporte les propos de quelqu'un, oui. donc l'élève doit le savoir. Mm-hmm. Parce que ça, c'est des questions qu'il avait réglées en classe dans les classes inférieures, loin. Oui. Ouais, la ponctuation. Mm-hmm. Maintenant, en dehors du libellé, il doit savoir que la consigne est fondamentale parce que c'est la consigne qui détermine la nature et le type de plan à adopter. Mm-hmm. Ouais. L'élève ne peut pas, en regardant seulement le libellé, mm-hmm. savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Ça, je pense, c'est seulement dans les sujets philosophiques. Où on peut rencontrer un sujet où il n'y a pas de consigne. Je parle sur le contrôle, M. Dramé. Ouais. Mm-hmm. Oui. Et
Donc, il doit essayer de faire ce qu'on appelle la dissection. Dissection. Oui. Mm-hmm. J'avais tantôt dit que disséquer, c'est quoi? C'est couper en morceaux. C'est une notion qu'on emploie souvent dans la médecine. Dans la médecine, oui. Ouais. Maintenant, nous, cette notion ramenée à la littérature, oui. Nous, on va essayer de décortiquer le sujet. Oui. Et on dira sujet est égal à libellé plus consigne. Consigne. Parce que c'est ce que nous voyons visiblement. Mm-hmm. Le libellé oui. est composé du thème mm-hmm. et de la thèse. Mm-hmm. Ouais. Pour trouver le thème, l'élève doit se poser une question. Mm-hmm. C'est quoi? De quoi nous parle le sujet? Ou bien de quoi me parle le sujet? Mm-hmm. Ou bien de quoi s'agit-il dans ce sujet? S'il se pose cette question, oui. il doit bien regarder le sujet et essayer de répondre exactement mm-hmm. à la question. Mm-hmm. Et ici, quand on se pose la question, on répond, il s'agit mm-hmm. du poète. Ou bien, on me parle du poète. Ouais, pour la thèse, on se pose la question à savoir mm-hmm. qu'est-ce qu'on dit du poète mm-hmm. parce que le thème c'est le poète oui. qu'est-ce qu'on dit du poète mm-hmm. ça nous permettait de trouver la thèse mm-hmm. on se demande si pour être poète il suffit de se laisser emporter par son imagination vers des mondes inconnus donc c'est ça mm-hmm. la thèse mm-hmm. c'est une interrogation oui. mais on peut tout simplement mm-hmm. Transformer cette interrogation en une phrase déclarative. On peut dire, pour être poète, oui. il suffit de se laisser emporter par son imagination vers des mondes inconnus. Et on affirme. Mm-hmm. Ben, l'élève, s'il parvient à régler cette question sur le libellé, il doit s'attaquer à la consigne. La consigne mm-hmm. pour également ne pas faire fausse route, oui. il doit se poser la question à savoir, oui. qu'est-ce qu'on me demande de faire mm-hmm. Parce qu'au baccalauréat, je tiens à préciser, pour les copies de français, oui. ou bien pour les preuves de français, mm-hmm. la durée c'est 4 heures. C'est 4 heures, 240 oui. minutes mm-hmm. pour une copie, mm-hmm. une note. L'élève n'a pas à négliger la copie. Ah, oui. Il n'a pas à négliger les détails parce que ce sont les détails qui font un tout. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Le vendeur de détails, mm-hmm. il doit savoir vendre en gros. Ouais. Mm-hmm. S'il a la possibilité de comprendre comment les marchandises se vendent en gros, mm-hmm. il comprendra comment les vendre en détail. Sinon, il passera à côté. Mm-hmm. Oui. Et il doit répondre également à cette question. Mm-hmm. Et ici, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande d'abord oui. de répondre à cette interrogation. Mm-hmm. Quelle interrogation? L'interrogation qui consiste à se demander si, pour être poète, oui. il suffit de se laisser emporter par son imagination vers des mondes inconnus. Ouais. Mm-hmm. Donc, on doit répondre à cette interrogation en disant oui. Et dire oui à cette interrogation nous renvoie à la fonction ludique, à la fonction divertissement, parce que des mondes inconnus, mm-hmm. donc c'est des mondes créés par l'écrivain mm-hmm. pour essayer tout simplement de faire sortir du monde réel vers un monde imaginaire son lecteur. Parce que n'oubliez pas que la poésie mm-hmm. vient de poéna qui signifie créer, inventer, fabriquer. Donc on invente un monde, un univers littéraire différent de cet univers qui est réel. Enfin, maintenant, ensuite, de montrer les autres fonctions. Mm-hmm. Ici, on a dit les autres fonctions, c'est au pluriel. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas mm-hmm. venir traiter deux paragraphes. Mm-hmm. Parce que là, le premier paragraphe consistera pour moi à répondre pour montrer que le poète doit se laisser emporter par son imagination vers des mondes inconnus. Inconnu. C'est la fonction évasive, c'est la fonction ludique. Mm-hmm. Maintenant, si je dois montrer les autres fonctions, oui. quand même, minimum, c'est deux. Parce que le pluriel commence à partir de deux. Ouais. Oui. L'élève ne doit pas faire 3-4 paragraphes. Non, non. Parce qu'une dissertation à 4 paragraphes, personnellement, pour dire vrai, je ne l'ai jamais rencontré. Oui. Donc, il doit faire mm-hmm. 3 parties. Mm-hmm. La première partie, c'est là où il va répondre pour montrer que le poète doit se laisser emporter par son imagination. Oui. Dans la seconde partie, mm-hmm. c'est à lui de voir oui. s'il veut, il peut traiter de l'engagement. Dans un premier temps, il parlera d'abord de la fonction didactique, ensuite de la fonction militante, mm-hmm. c'est-à-dire révolte, engagement, pur et dur. Oui. Et enfin, mm-hmm. dans la synthèse, mm-hmm. il doit parler de la vraie vocation de la poésie, d'accord. qui est la fonction esthétique. Ouais. Je pense que c'est un sujet que j'avais traité avec mes élèves, mm-hmm. à travers le groupe SAP. Mm-hmm. Et je me ferai le plaisir également mm-hmm. de vous faire écouter quelques audios venant de mes élèves, mm-hmm. parce que c'est juste pour montrer que le téléphone portable n'est pas un appareil dangereux pour les élèves. Oui. Ouais. Mm-hmm.
Ici, c'est un appareil utile et très avantageux parce qu'il permet à l'élève, à cause du Covid-19, ou bien grâce au Covid-19, tout simplement de travailler. Et tout simplement d'avoir l'occasion de se faire corriger en permanence et de traiter des exercices qu'on a l'habitude de faire en classe. Mais, sommairement, c'était juste ce qu'il fallait tout simplement montrer. Ici, la fonction évasive, c'est ici, c'est didactique. Le courant littéraire qui correspond à cette fonction, comment dirais-je, ici, esthétique du moins, ici, évasive, c'est le jeu de divertissement. Ici, fonction engagée, militante, didactique, ainsi de suite. Et ici, l'esthétique pour la synthèse. Le courant littéraire qui correspond à cette fonction esthétique, c'est le courant parnassien. La théorie de l'art pour l'art. Ouais. Donc, l'élève, s'il comprend les courants littéraires, il comprend les gens littéraires, ça devient très simple pour lui de s'exercer. Et ça devient tout simplement un simple exercice, ça devient une tautologie, une répétition. Ouais. Okay. Oui. Donc, à ce point, nous voulons nous écouter quelques audios au niveau que les élèves ont fait avec vous. Donc, c'est toujours pour lancer un appel que les réseaux sociaux, c'est pas négatif. Oui. À ce point, on a vu l'importance des téléphones, parce que l'émission... avec la fameuse chaîne RMB, ça se passe pratiquement dans tous les points. Il y a des élèves qui attendent à la fin de l'émission pour pouvoir copier le lien et regarder l'émission à travers le téléphone portable. Donc ça, c'est l'importance des téléphones, c'est l'importance des réseaux sociaux. Il y a des élèves qui travaillent avec M. Bodian dans ces réseaux sociaux. Et c'est pas lui, c'est avec tous les professeurs. Donc nous allons vous laisser avec lui pour entendre ces quelques audios des élèves. Allez-y, monsieur. Voilà, merci beaucoup. C'est juste l'audio que m'avait envoyé mademoiselle Adjala Ndiaye, élève de la terminale, avec qui nous travaillons souvent dans le groupe WhatsApp, mais également par la Lyon, comme je l'appelle ainsi. Je l'appelle la Lyon parce que également c'est mademoiselle Ndiaye, parce que les Ndiayennes sont des lions. Donc une Ndiayenne est une lionne. Oui, parce qu'on le dit au Sénégal, Gaynde Ndiaye. J'aurais souhaité qu'on dise Gaynde Bojan. D'accord, pourquoi pas gagner un gomme? Voilà, ouais. Donc, c'est juste pour taquiner. Et je l'attaque parce que les élèves sont nos enfants, sont nos sœurs, sont nos petits-enfants. On doit essayer de trouver une pédagogie qui va leur permettre d'aimer la matière que nous dispensons, de s'intéresser à ce que nous faisons. Et je pense que la pédagogie est très importante. C'est pas un rapport d'autorité où on doit dire l'élève faites ceci, il le fait, ainsi de suite. On doit inviter l'élève à faire le travail convenablement. Parce que je dis souvent que l'imposition est mauvaise en toutes circonstances. C'est mauvais. Pour reprendre les propos de Diderot, nul de nous n'a reçu le droit de commander aux autres. Donc c'est une relation qui doit permettre à l'enseignant d'attirer l'attention de l'enseigné sur l'importance des études et la valeur de l'information qui lui est transmise. Je m'en vais vous faire écouter la dissertation de mademoiselle. Mes chers élèves, bonsoir Monsieur Bodian. Voici mon introduction sur la poésie. De tous les genres littéraires, la poésie constitue un genre majeur marqué par la diversité de ses fonctions. Si d'aucuns pensent qu'elle doit refléter le malheur des autres, d'autres estiment que la fonction d'une œuvre poétique se limite à occuper son lecteur pour l'aider à oublier la vie. C'est peut-être dans cette mouvance qu'Alfred de Vigny se pose la question à savoir si pour être poète il suffit de se laisser emporter par son imagination et de fuir vers des mondes inconnus. Autrement dit, pour assurer la fonction d'un artiste, l'écrivain doit-il se limiter à faire voyager son lecteur vers des horizons meilleurs? Dans quelle mesure pouvons-nous apporter des éclaircissements à une telle interrogation? Le principe de la poésie n'est-il pas celui de servir son peuple? La vraie nature d'une œuvre d'art n'est-elle pas l'aspiration vers une beauté? Nous essaierons dans les lignes qui suivent de répondre successivement à ces trois interrogations. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, M. Bodian. J'ai proposé une introduction pour ce dernier sujet. Se basant du point de vue étymologique, la poésie renvoie à la fabrication, la création, à l'invention, ce qui nous fait croire qu'elle a pour but d'épargner le lecteur de tout malheur. C'est peut-être partant sur la base d'une telle considération que Alfred de Vigny affirmait que pour être poète, suffit-il de se laisser emporter par son imagination et de fuir.
autrement dit, pour réussir son œuvre, le poète doit-il se limiter seulement à faire oublier la vie à ses lecteurs? En quoi une telle affirmation consiste-t-elle à une vérité? La poésie ne peut-elle pas être considérée comme une arme de défense? Le poète ne doit-il pas faire de son inspiration un instrument au service de sa communauté afin de participer à l'édification de celui-ci? Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de répondre successivement à ces interrogations. Voilà, grosso modo, les deux introductions que j'avais voulu partager avec vous. Maintenant, il y a d'autres introductions qui sont présentées parce qu'on a fait beaucoup de sujets. Je pense, si je ne me trompe pas, on a atteint la barre des 20 sujets. Depuis lors, on travaille en permanence. On commence des fois de 15h ou 15h30 jusqu'à peut-être 17h. Après la prière, on reprend jusqu'à 19h. Après la prière du timis, on se quitte. Je donne un sujet, ils vont y réfléchir durant la nuit. Le lendemain, quand ils vont se réveiller, ils vont essayer de s'exercer. Ensuite, le soir, on m'envoie des vocales ou des vocaux pour permettre tout simplement de corriger en permanence. Je pense également que c'est une stratégie qui est employée par beaucoup de professeurs dans beaucoup d'écoles. Ouais. Et je pense également que ça permettra à ceux qui nous suivent de faire de même. C'est vrai, l'outil, le téléphone, qui est un outil très important, n'est pas accessible à tout le monde. Parce que c'est vrai, des fois, les parents ont peur de mettre un téléphone à la disposition de leurs enfants, du fait de l'usage. Mais nous invitons les parents à s'intéresser tout simplement à faire en sorte pour permettre tout simplement aux uns et aux autres de comprendre ce qui est fait et ce qui ne doit pas être fait. Et je pense en ligne le directeur du FUNI qui m'appelait. C'était juste certainement pour me remercier. Est-ce que vous pouvez prendre en ligne? Je viens de le raccrocher parce que puisque je suis en direct, je ne voulais pas le décrocher. Oui. Mais c'est juste peut-être pour essayer d'apporter quelques de dire quelque chose. Oui. C'est pourquoi quand on fait souvent l'émission, je ne peux pas ouvrir la ligne. Parce que je sais que bon, on ne finira pas par le faire. Parce qu'il y a beaucoup, il y aura beaucoup d'intervenants. Mais je le salue au passage. Il est très engagé dans ce sens. Parce que c'est lui-même qui m'a un peu soufflé cette initiative pour travailler avec les élèves afin de permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée sur ce qui se fait. Mais également de continuer sur la même logique, le travail qui a été abattu dans les classes avant le Covid. Je salue au passage le directeur de la CEPESAC, M. Diouf, et les responsables également de la CEPESAC, tels que M. Fofona, Mme Ba et tous les autres. Je salue également le responsable du FONI, M. Karim, M. Boundiédu, qui est le directeur, également, qui peinent beaucoup pour que les élèves puissent également avoir accès à ces informations. Et tous les autres professeurs également qui sont dans les autres établissements, même du lycée, parce également au lycée, j'ai des amis qui sont qui sont mes conseillers. Je peux nommer M. Mbaye Philo. Il est très disponible, très ouvert. Il y a également M. Koulibaly, avec qui on prie souvent dans la même mosquée, qui est également mon voisin. M. Diouf, qui habite ici à côté de l'élevage. Il y a pas mal de professeurs avec qui nous travaillons et qui également sont très disponibles et qui sont à l'écoute. Donc, nous ne pouvons pas faire une émission sans pourtant leur adresser nos salutations les meilleures. D'accord. Donc, du côté du FONI, nous saluons de passage le professeur d'histoire et de géographie de Sainte Éducation, M. Sané, qui est toujours aussi présent. Tout à fait. Nous, aujourd'hui absent. Tout donc, à fait. Professeur, qu'est-ce que vous allez dire aux élèves? Je leur dirai tout simplement de rester à la maison et de se tenir toujours propre, comme est l'année de coutume, mais de s'intéresser à ce qui se fait à travers la chaîne RMB. D'accord. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une chaîne qui donne l'occasion aux élèves d'avoir des informations dont ils ne peuvent pas avoir en dehors des classes. D'accord. Donc, parce que le schéma, c'est pas très facile.
c'est pas facile, mais nous le faisons mm-hmm. pour permettre à l'élève d'ajouter la théorie mm-hmm. à la vision. Mm-hmm. Parce que ce que l'œil voit, mm-hmm. l'esprit le capte beaucoup plus vite que ce que l'oreille entend seulement. Mm-hmm. Ouais. Oui. Et c'est pour s'en convaincre, mm-hmm. pour donner un match de football. Mm-hmm. Ce que vous entendez à la radio et ce que vous voyez à la télé, c'est différent. Mm-hmm. À la télé, on entend et on voit. Mm-hmm. C'est l'audio oui. et lui. Et le visuel témoins. Audio, visuel. On entend, on voit. Alors que pour la radio, mm-hmm. c'est l'audio seulement, on entend. Mm-hmm. On ne voit pas. Oui. C'est ce qui fait que quand un enfant se met entre nous et l'écran, oui. on demande à ce que l'enfant se dégage. Mm-hmm. Ôtez-vous de là. Mm-hmm. Déplacez-vous. Mm-hmm. Mais si c'est entre nous et la radio, on ne dit rien à l'enfant. Ah, oui. Parce que lui ne voit pas, c'est l'oreille qui entend. Donc je demande aux élèves mm-hmm. de nous suivre et de s'intéresser à ce que nous faisons. Mm-hmm. Maintenant, on leur donnera la possibilité un jour oui. d'ouvrir la ligne pour leur permettre tout simplement de poser des questions mm-hmm. pour que nous puissions apporter mm-hmm. des réponses par rapport à leurs inquiétudes. Pourquoi pas même mm-hmm. inviter certains collègues oui. qui nous suivent mm-hmm. d'appeler pour au moins nous faire des suggestions. Mm-hmm. Parce que notre voie, c'est quoi? C'est de permettre à l'enfant mm-hmm. qui est le futur dirigeant de ce pays, oui. d'avoir des informations mm-hmm. claires, concises mm-hmm. et importantes pour son avenir mm-hmm. et pour également son devenir. D'accord. Et, je salue ma famille et tout le monde, mm-hmm. et également les techniciens qui ne cessent de ménager des efforts pour mm-hmm. nous permettre mm-hmm. de dérouler l'émission normalement et convenablement selon les règles de l'art. Mm-hmm. Merci à vous et à bientôt. D'accord, merci beaucoup cher professeur. Donc, on est au terme de notre émission. Bon, il a bien expliqué sa leçon d'aujourd'hui, le professeur de français, très engagé à travers l'émission Saine Éducation. Je peux dire qu'il est le moteur de cette émission. Franchement, il est toujours présent et déterminé même. Donc, man, sumo ko mene indi fi. Du man kasse xeen amna ku nek sama ginaaw mu ngi fi tok dama koy baye nonou parce que mom du feñ sen kanam dama koy geureum diko sante parce que borom bax la machallah di suñu doyen suñu mag Youssouf Fall mais monsieur Bodian du sama monsieur man kasse mais monsieur élève la élève ñom ko gëna soxla motax ñom buñ ko soxla dañ ko indi tek ci kanam écran bi pour mu jox leen ñom liñu soxla donc xeyna man dama ci am lima ci am moy indi ko tek ko fi mais yeen ñi nga xamne yeen ngi suivre émission bi baye leen xel bu bax limuy wax. Donc ñu ngi jël remerciement yépp diko tek ci loxom diko tek ci loxo doyen bi borom télé bi diko tek ci képp ki nga xamné yaangi sétane sen éducation encore une fois di lancer un appel à ce que amna ci yenen élèves yu nekk ci des autres régions ñi ngi kay capté à l'image de chaîne YouTube. Il y a des professeurs yi nga xamné aussi à l'exemple de monsieur Sall professeur de philosophie mom il veut toucher intervenir dans l'émission pour donner son suggestion. Donc prochainement dinañ ko interpréter avec la régie depuis Saint-Louis pour apporter son touche à l'édifice. Donc lol aussi dañ koy demander à nos doyens ñu apporter ñuko pour aussi le bénéfice des élèves qui sont là parce que ñun je dis que bien que ni suñu connaissance une saine éducation waro yam au niveau de la zone waro yam aussi au niveau de Dakar peut-être que yeen professeur war nañu mëna ñëw intervenir joxe sen xam xam parce que dañ koy soxlo bu fekkante ni ñom sama doyen mënañ mako. Donc par là je termine et je remercie l'ensemble du personnel de RMB TV, je remercie sama famille équipe qui nga xam ya ngi wax ci petit écran bi di leen jox dig dajé ba benen yoon inshallah rabbi jere ngeen jëf.